le temps de montée ou de descente des escalators de Pascal sur son lieu de travail est de 200 secondes, mais Pascal est toujours pressé. En marchant durant la montée et la descente, il ramène la montée à 180 secondes et la descente à 150 secondes. Quel est le rapport de sa vitesse de marche à la descente à sa vitesse de marche à la montée? Voici la montée des escalators. La distance vaut petit d et la vitesse petit v. La durée de la montée est de 200 secondes. Idem pour la descente. Distance d, vitesse v, durée 200 secondes. Appelons la vitesse de marche en montant de Pascal V1. Donc nous avons la vitesse totale de montée vaut V1 plus V. Et la durée de montée est de 180 secondes. Appelons la vitesse de marche de descente de Pascal V2. Donc la vitesse totale de descente vaut V2 plus V. Et la durée T2 de la descente vaut 150 secondes. Nous savons que V est égal à D sur T. Donc, la vitesse V est égale à D sur 200. Nous savons que V1 plus V est égal à D sur T1. Donc, D sur 180. Dont nous déduisons que V1 est égal à D sur 180 moins V. Faisons la même chose pour la vitesse de descente. V2 plus V est égal à D sur T2, donc D sur 150. Dont nous déduisons que V2 est égal à D sur 150 moins V. Donc le rapport V2 sur V1 demandé est égal au rapport de ces deux différences. Nous pouvons remplacer le V là et là par D sur 200. Ainsi, en haut comme en bas, nous pouvons mettre D dixième en évidence et nous pouvons simplifier la fraction par D dixième. Ainsi, nous obtenons au numérateur 1 sur 15 moins 1 sur 20, c'est-à-dire 4 sur 60 moins 3 sur 60, et au dénominateur, nous obtenons 1 sur 18 moins 1 sur 20, donc 10 sur 180 moins 9 sur 180. Le numérateur donne 1 sur 60 et le dénominateur donne 1 sur 180. Il faut donc multiplier un soixantième par l'inverse de 1 sur 180, c'est-à-dire par 180 sur 1. Ainsi, le rapport demandé vaut 3, et par conséquent, le D est la bonne réponse.